sai nhị sai thì ta thì tay ta thì tay, khẽ hát thật em bước chân theo nhịp thật dịu dàng và em sao cũng yêu. Bonjour, nous sommes la classe de seconde du lycée Fambuchon. On étudie le français en première langue et nous échangeons régulièrement avec le centre de la francophonie. Ce mois-ci, nous réalisons des reportages avec des volontaires français sur le développement durable. Aujourd'hui, on va réaliser une fresque sur le pour mieux comprendre le développement durable. Et ensuite, on va vous expliquer comment le microcrédit, qui est le sujet de notre reportage, rentre dans ce concept. Cette notion est importante à prendre en compte dans le monde de l'entreprise. À l'heure où on se questionne sur le réchauffement climatique, le futur des matières premières, nombre d'entreprises cherchent à maximiser leurs profits aux dépens des critères environnementaux et sociaux. Heureusement, les mentalités évoluent, intègrent ce principe de durabilité et les solutions naissent. L'entreprise est considérée comme durable lorsqu'elle prend en compte l'écologie, l'économie et le social. Si ces trois piliers sont respectés, alors l'entreprise est durable, équitable et vivable. Avec la CAVN délivre des fonds pour des familles pauvres. Le business qu'elle crée est aussi durable car il se développe à l'échelle de son environnement et répond aux besoins des plus démunis. Nous sommes allés rendre visite à Justine, représentante de cette association. Coucou. L'association Code Amour Vietnam existe depuis 20 ans maintenant. Il s'agit de faire des échanges entre le département des Côtes d'Armor en France et les provinces de Nghệ An et Hà Tĩnh au Vietnam. On travaille essentiellement dans trois domaines, dans le domaine de la francophonie, de la santé et du développement durable avec des parrainages d'enfants et des microcrédits. Mais enfin, qu'est-ce que le microcrédit? Nous sommes allés dans la rue leur demander aux gens de Vigne. Une petite explication s'impose. Prenons un exemple. Madame Ming est très pauvre et vend des œufs sur le marché pour s'en sortir. Elle emprunte le matin 30 000 dong, soit environ 1 euro, à Monsieur Zhang qui est riche. Ceci lui permet d'acheter les œufs qu'elle vend par la suite. Le problème est qu'elle doit en rembourser 40 000 le soir même. Elle paye donc jusqu'à 25% d'intérêt et ce qu'elle gagne lui permet tout juste de survivre. Elle rêve de disposer d'une somme d'argent pour acheter ses poules et avoir ses propres œufs. Malheureusement, Monsieur Duong, le banquier, ne veut pas lui prêter cet argent. Il est persuadé qu'elle ne pourra jamais le rembourser.
Pendant ce temps, Muhammad Yunus, un économiste du Bangladesh, souhaite venir en aide aux pauvres de son pays. Il crée alors la Grameen Bank. Ce système permet de prêter de l'argent à taux zéro aux plus démunis. Ils n'ont donc qu'à rembourser la somme empruntée. Se sentant redevables, les emprunteurs remboursent systématiquement. Cette banque est un succès et se développe très vite dans d'autres pays. Ce système d'emprunt arrive aux oreilles de Madame Ming. Elle obtient un microcrédit auprès d'une association, ce qui lui permet d'acheter une poule et enfin vendre ses propres œufs. Certains pourront être couvés et devenir une deuxième poule qui doublera le revenu de Madame Ming. Après la vente de plusieurs œufs, elle pourra ainsi rembourser aisément la somme empruntée. Madame Ming est maintenant indépendante et pourra continuer de grandir petit à petit. Mais retournons voir notre spécialiste sur le sujet pour plus de précision. Donc les microcrédits de SAVN ont pour fond des entreprises, des particuliers, des subventions ou même des écoles françaises qui nous aident à financer ces projets de microcrédits. Les microcrédits se réalisent en partenariat avec l'Union des femmes, qui est une association vietnamienne qui travaille auprès des familles pauvres, particulièrement des femmes. Donc on choisit des familles pauvres pour dispenser un crédit dont la somme va de 0 à 500 euros, dont un tiers de la somme totale est engagée par la famille directement par des fonds propres afin de mettre la famille dans le projet et de leur donner un peu de responsabilité. Le remboursement des microcrédits se fait sur 3 ans maximum. Et la famille commence à rembourser son microcrédit à partir du moment où le projet est rentable et elle remboursera la moitié de ses bénéfices par mois. Après toutes ces explications, nous sommes donc parés pour partir à la rencontre d'une famille bénéficiaire d'un microcrédit. À notre arrivée, Madame Ba nous a gentiment accueillis dans sa maison pour répondre aux questions des élèves. Số tiền đó thì cháu bảo phải không ạ? Dạ, học sinh. Dạ, học sinh.
thì các cháu học chương trình bà cao lớn, nói chung là từ từ đấy thì bà cũng vất vả, bây giờ số tiền đó các cháu cho vay thì bà cũng cao lớn, nói chung cùng bà cũng càng ngày càng thấy đi lên thì bà cũng rất mừng, là tình cảm của các cháu là giúp cho bà càng ngày càng phát triển. L'interview terminée, il ne nous reste plus qu'à rentrer dans la bonne humeur. Répétez après moi et watati watata. Répétez après moi et watati watati watata. Nous sommes photos pour nous. Aller à la rencontre de cette famille nous a permis à nous et aux élèves de bien se rendre compte de l'aide qu'apportent ces prêts. Madame Bonne avec un exemple parmi d'autres, déjà 40 familles dans la région de Néane ont remboursé leur microcrédit auprès de la CAVN en 3 ans. Le succès de ce concept, qui a vu le jour au Bangladesh, est aujourd'hui présent dans 57 pays à travers le monde, et y compris dans des pays développés comme la France ou les États-Unis. Ainsi, le microcrédit a déjà rendu plus de 100 millions de familles indépendantes. Ce principe simple, prêter une somme d'argent et n'en attendre pas plus en retour, serait impossible sans la présence d'organismes, d'institutions publiques ou privées. Nous pouvons donc espérer que leurs actions perdurent pour sortir toujours plus de familles de la pauvreté. Seulement parfois, j'ose espérer que cela suffira.